Bonjour, je suis carrément par terre là parce que je suis épuisée et je vais passer la journée seule, je pense. Une journée chill et je me suis dit, vu que je vais être seule, pourquoi pas vous emmener avec moi parce que ça me fait parler, tout simplement. Oh, je suis épuisée, attends. La raison pour laquelle je suis fatiguée, c'est que la semaine dernière, enfin, je suis rentrée, quand est-ce que je suis rentrée? Mardi soir, très tard. J'ai passé une semaine en Jordanie, mais c'était le voyage de ma vie. Je suis allée rendre visite à un pote, il m'a emmenée partout et c'était trop beau. Je vais faire une vidéo sur Jordanie, j'ai hâte de le sortir et vous montrer un peu ce que j'ai fait là-bas parce que c'était magnifique. Mais du coup, je suis hyper fatiguée parce qu'on a marché, 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 marché. En plus, le Jordanie, il n'y a que des collines, que des montagnes. Alors, je pense que... Attendez, je vais vous montrer. Mes jambes, là, elles sont plus musclées qu'avant. Genre, j'ai vraiment... Je me suis vraiment musclée les jambes. En plus, mon pote, il est hyper grand. 6'4", 6'5", je pense. Alors, il marche hyper rapidement. Et moi, j'étais derrière en courant. Mais bon... Alors, je suis rentrée très tard le mardi. Le mercredi, j'avais babysitting. Et puis là, hier soir, je suis sortie à Mademoiselle Mouche. C'est une boîte sur une péniche. Très bien. Très, très bien. J'ai adoré. Mais pour rentrer, il fallait que je prenne deux noctiliens, les bus de nuit, parce que je voulais pas payer l'Uber. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller lire, je pense. Juste un day chill. Vous savez, ce soir, je vais faire a whole skincare routine. Je vais detox. Tu sais, j'aimerais bien faire un musée, en fait. Je suis juste en train de penser, parce qu'il y a un musée... Musée de Luxembourg, en ce moment il y a une exposition. Je fais toujours l'erreur, vous savez. Exhibitionniste en France, c'est quelqu'un qui est. Is a flasher. Et je fais toujours l'erreur. Je dis toujours, ah ouais, je vais aller voir une exhibition. Et les gens, ils me regardent, genre, elle est bizarre la meuf. Non, faut que j'arrête. Bref. Qu'est-ce que je suis en train de lire? En ce moment, je suis en train de lire Outliers. Je pense que je vais le finir aujourd'hui. Et j'ai pas encore commencé, mais On Palestine. J'ai aussi lu récemment Jonathan Livingston Seagull. Mignon comme livre. C'est philosophique. J'aime bien j'aime bien les livres philosophiques. Oh là. Et aussi, Sartre, l'existentialisme est un humanisme. Pourquoi je me suis acheté ça? Parce que j'ai fait un date avec un mec. J'ai fait un date Tinder avec un mec qui est en master de philosophie. On a eu une discussion très intéressante. Il m'a dit, faut que tu lises Sartre. Alors, je l'ai lu et j'aime bien. J'ai aimé. C'est intéressant les idées de Sartre. J'en peux plus. J'en peux plus. Je suis fatiguée. Je m'habille comme ça aujourd'hui. Très simple. J'ai trouvé un petit point tranquille.
retour chez moi. L'exposition était trop bien, vraiment magnifique. It was on like women pioneers in the world of art and like the place of women in society in like the 1920s. It was just so good. It was basically explaining how a lot of women artists who literally pushed forward all the vanguardist, the avant-garde movements have been kind of like lost in history and forgotten about, like not forgotten, but their contribution to the world of art and to society in general has just been covered up by events like World War II and all the fascist movements that like went through Europe. And so it was really interesting to go and see all these women artists that a lot of them I hadn't really heard of before. So I really do recommend going if you're in Paris. I think the Luxembourg Museum is one of my favorite museums in Paris just because of their it does exhibitions. They're always so good. Like they're always, I'm always really happy with them. And I feel like they just cover a lot of like feminist themes. And like, I like the artists they put out there. A lot of the time it's like female artists that they show in their exhibitions. For example, previously there was Vivian Mayer, who is one of my favorite art like photographers. And then this time it was really interesting to see those women artists I haven't seen before. I got some postcards. Because I like collecting postcards every time I go to a museum or exhibition. So that I can like put them on my wall, and I just like it because then I look at the postcard and I'm like, oh, that reminds me of when I went to this. I got this one, which I just think is beautiful. Like, I don't know, it's just so sensual. Got a bit creased in my bag. I just think it's really cool. I also got this one, mainly because it basically says on the back, like the name of it is Lily avec un éventail à plumes. And my nickname is Lily. Like my mum calls me Lily. And so I thought it was like, no, I don't. I just thought it was funny. I thought it was really funny. And then obviously this one, this is like the face of the exhibition, same artist. And then finally this, because I just thought this painting was so cute. This is like half of like a segment of the painting, the whole painting's on the back like that, but I just thought it was really nice. Like I really liked the sort of the childlike depiction of the landscape. She managed to capture the vibe and the tranquility so simply, like with such simplicity, which I think is really cute. So yeah, those are my little postcards. I'm nearly finished Outliers, the book. I'm very excited for it. And tonight I'm gonna be face-masking for sure because my skin needs it. I'm sorry that I'm bringing such low energy. I'm literally just very tired.